Méditation du matin pour bien commencer la journée. Je m'appelle Sarah Galvan et je vais vous proposer, pour démarrer votre journée, de commencer par une douce méditation avec le carillon Koshi de l'élément eau qui va vous permettre vraiment de vous réveiller tout en douceur. Le matin, souvent, on a beaucoup de pensées. On a les pensées qui vont se projeter pour le reste de la journée. Et là, je vais vous inviter à prendre quelques minutes simplement en vous recentrant sur l'essentiel, c'est-à-dire vous, ce que vous pouvez ressentir dans votre corps, et laisser les pensées voler comme des oiseaux, s'envoler, laissez-les juste passer devant vous. Et avant de commencer la méditation, vous savez que j'invite à se recentrer. Si vous êtes encore dans votre lit, eh bien prenez le temps d'être encore confortablement dans votre couette ou à l'aide d'un plaid bien au chaud, allongé ou assis, comme c'est le plus confortable pour vous, et de vous laisser bercer par les mots que je vais prononcer, puisque aujourd'hui c'est un petit peu particulier. Je vais vous proposer, j'ai dans les mains un oracle qui s'appelle l'oracle cosmique. Je vous mettrai les références dans le descriptif sous la vidéo. Pourquoi je parle de cet oracle pour bien commencer la journée? Puisqu'il y a une carte que je trouve magnifique et le texte qui y est attaché l'est d'autant plus. Et comment bien commencer une journée? Eh bien, c'est en se recentrant sur l'essentiel. Pourquoi nous sommes vivants? Pourquoi nous sommes sur la Terre? Eh bien, simplement en vous reconnectant à ces émotions et les vibrations que vous allez recevoir au travers des mots que je vais émettre, en lisant simplement le descriptif de cette carte, et bien laissez-vous juste réveiller tout en douceur pour entamer une belle journée. Alors sans plus tarder, la carte en question s'appelle Terre-Mère. Ouvrez votre cœur et vos intentions sont pures. Sachez que vous êtes guidé et nourri par Terre-Mère elle-même. Elle vous accompagne avec sa beauté et sa sagesse dans tout ce que vous faites. Ces étoiles scintillantes rappellent votre lumière, ces fleurs, votre beauté, ces arbres, votre connaissance sacrée et votre équilibre. Chers amis, la nature vous guide dans tous les aspects de votre vie. Si vous avez tiré cette carte, Terre-Mère vous appelle à l'amour. Gardiens et gardiennes de la Terre, vous êtes appelés à aider l'humanité à se souvenir de sa connexion divine à la nature. Le temps est venu d'exprimer et de partager encore davantage votre créativité et votre sagesse. C'est à travers le partage de votre amour et talent que les autres seront inspirés à approfondir leur voyage en eux-mêmes. La transformation et la purification de la Terre commencent dans chaque être humain. La Terre reflète simplement notre état intérieur. Nous faisons tous partie d'une conscience, nous l'exprimons dans ses formes diverses. À notre mort, notre corps se dissout dans la Terre qui nourrit les arbres et les plantes, dans un tissage éternel, sans jamais ajouter ou soustraire dans cette danse de la vie cosmique connectée. Si l'humanité peut se concentrer sur la façon de guérir et nourrir les mondes dans les mondes, la Terre finira par refléter leurs vibrations énergétiques et leurs lumières les plus intenses. Votre tâche, gardien et gardienne de la Terre, est d'aider les autres à se remémorer leur vrai soi divin et de renouer avec le monde naturel. Faites ce pourquoi vous êtes venu, éclairez votre lumière. Poursuivez votre chemin avec une vérité et une intégrité constante. Il y a beaucoup de rituels qui existent, comme les Miracle Morning notamment, où on se répète des affirmations positives. Eh bien, je trouve que ce texte est rempli d'une très belle énergie et j'espère que vous aurez senti, ces belles énergies pour vous réveiller en douceur. Et là, simplement, je vais juste vous inviter à entendre les vibrations du carillon Koshi pour
Faire juste pétiller toutes les cellules qui commencent doucement à se réveiller pour cette journée qui va s'annoncer merveilleuse pour vous. Et puis quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez réouvrir les yeux et commencer votre journée. À votre rythme, donc je vous invite à présent à démarrer cette belle journée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez apprécié ce contenu. Cela m'encourage à créer d'autres vidéos du genre, d'autres méditations. Et puis je vous invite surtout à me contacter si vous souhaitez organiser. J'organise des retraites, mais si vous souhaitez que j'organise une retraite spécifiquement pour vous, eh bien sachez que c'est possible, les portes sont ouvertes pour 2023. Voilà, vous pouvez me contacter avec un projet. Je suis guide en développement personnel, donc je travaille sur les personnes qui ont des rêves, qui veulent aller jusqu'au bout de leurs rêves. Et en même temps, je travaille beaucoup avec des personnes qui sont en quête de sens, qui se sentent désalignées. Et la méditation notamment offre cette porte d'accès vers la connaissance de soi qui est juste magique. Donc au plaisir de vous rencontrer en 2023. Merci pour votre écoute.